Montréal est une ville travestie. Hein. On prend la place d'Armes, puis on a une réplique du Panthéon, on a une réplique de l'Empire State Building, puis on a une réplique de la Basilique Notre-Dame. C'est comme sur un compte, c'est fou. Et Montréal est un vaste patchwork d'influences. Ça fait son caractère. Comment avoir une identité forte à une image quand on ne se regarde pas? Comment avoir une identité forte quand on regarde toujours l'identité de l'autre comme étant notre identité? Comment être surpris qu'on ne maquille pas notre propre identité pour qu'elle ressemble celle à l'autre, qui est une image dominante?